R 13h ce mardi 19 décembre, un habitant de Vertaison dans le Puy-de-Dôme, connu pour des petits délits, violence et conduite en état d'ivresse, se promenait dans les rues de la commune avec un fusil de chasse. L'alerte a été donnée par des passants alors que l'homme regagnait son domicile. Depuis chez lui, il a tiré sur les gendarmes avant de s'enfuir à bord de son véhicule. Une quarantaine de gendarmes ont été mobilisés pour sécuriser le secteur et pour le poursuivre. Le GIGN de Dijon a été appelé en renfort ainsi que l'hélicoptère de la gendarmerie basée à Égletons. L'homme a été arrêté à 15h55 à Vasselle au terme d'une spectaculaire course-poursuite, les gendarmes ayant tiré à 4 reprises pour crever les pneus de sa voiture et l'immobiliser, mais le fugitif n'a pas été blessé.